Les agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont rendu visite aux paillotes ce matin. Accompagnés des gendarmes, ils ont réalisé un premier état des lieux. Pour rappel, suite à la décision du tribunal administratif, les établissements ont un peu moins d'un mois pour détruire les restaurants. Une centaine de salariés devraient se retrouver sur le carreau à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Ils envisagent de manifester pour demander un sursis au préfet, comme l'explique leur porte-parole au micro de Bérénice à la terre. On veut manifester, on veut demander à monsieur le préfet un sursis pour l'application de cette peine. Je pense que juste avant les fêtes, 70 personnes au chômage, ce n'est pas forcément du plus bel effet. Pour que nos établissements ferment sereinement et correctement, on demandera juste à monsieur le préfet s'il ne pourrait pas faire appliquer cette peine au mois de février au lieu de la faire appliquer au 8 décembre ou 9 décembre, je ne sais plus.